Salut. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ, mais pas seulement. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions, et si jamais je peux y répondre, je vais devoir vous acheter un cadeau de votre choix. Et vous avez été gourmand dans les cadeaux. On commence doucement avec: pourquoi tu adores autant le jaune? Déjà, dans le premier studio que j'avais avant, il était tout jaune, et ce studio là m'a marqué. C'est grâce à ce studio là que j'en suis là aujourd'hui. Donc je suis obligé d'adorer cette couleur, c'est devenu ma couleur préférée. Avant c'était le bleu, mais maintenant c'est le jaune, c'est obligé. Et là vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai fait jaune dans le premier studio. L'anecdote est tellement conne. J'étais au téléphone avec mon meilleur pote Baptiste. Je lui dis: putain frérot, je sais pas quoi faire comme couleur du studio. J'ai un truc qui flash, que les gens vont retenir, et un truc qui pourrait me donner une identité. Et là il me dit en rigolant: mec, fais jaune pisse. Je lui dis: oh mec, c'est une bonne idée. Et du coup voilà, maintenant c'est ma couleur, c'est le jaune quoi, je kiffe de fou le jaune. Tu as quel âge? Il m'a demandé de lui acheter un téléphone Samsung S22 s'il te plaît. Je pense que frérot, je peux te donner mon âge, j'ai 25 ans les frérots. Et ça m'a mis une petite claque quand même. 25 ans, putain de merde, le temps passe vite de fou. Voilà, c'est une phrase de vieux typiquement en fait. Ok, question très intéressante. Est-ce que parmi tes vidéos avec des feats entre youtubeurs, il y en a que tu regrettes ou un peu déçu de l'ambiance de la vidéo? Est-ce qu'ils sont payés pour venir faire un tournage? C'est une bonne question en vrai. Déjà, en vrai, j'ai pas été déçu par aucun feat. Il y a eu des trucs où en mode, par exemple, je vais vous le dire aujourd'hui parce que c'est un bête de pote, Scoot de Street, quand il est venu dans mon studio du coup où je faisais le concept, je vous m'apporte tous les jours jusqu'à y voir quelqu'un, je lui avais dit: vas-y, passe et tout si tu veux. Il est venu et il y a eu un feeling plutôt, on va dire, genre il était super cool et tout, mais moi j'arrivais pas à être à l'aise avec lui et je me suis dit: bon bah peut-être qu'on se reverra jamais et tout. Et au final aujourd'hui, on se revoit grave souvent et je le kiffe de fou. Et du coup, est-ce qu'ils sont payés pour venir faire un tournage? Les gars, je n'ai payé personne et je ne paierai jamais. Si quelqu'un un jour me dit: ok Anto, je peux venir mais tu me dois cette somme là, je lui dis: bah non, laisse tomber le tournage, parce que je trouve ça trop nul. Dans l'esprit je trouve ça pas sain et je me dis le tournage il serait chelou un peu. Combien tu payes les gens avec qui tu travailles? Tous la somme totale. Alors on va faire un petit calcul. Par exemple, déjà ça m'arrive mais très rarement, mais des fois je paye une chargée de prod. Bon, vu qu'elle est débutante là dedans c'est pas un gros tarot, mais c'est aux alentours de 250€ par vidéo où elle vient sur place. Chargée de production, c'est en mode: ok, je vais faire cette vidéo, il faut que j'ai ça 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 dans la vidéo, débrouille toi en gros pour trouver le lieu, acheter tout ce qu'il faut acheter et tout, et sur place faut que tu prépares tout. Donc c'est une grosse charge de travail. Donc ça déjà il y a 250€. On va faire le petit calcul. Ça c'est pas sur toutes les vidéos, c'est vraiment sur les très très grosses. Par exemple, choisis la bonne porte. 250€ plus le cadrage. Généralement c'est autour de 250€. C'est la même chose, cadrage, à peu près 4 heures de cadrage. Après pour ce qui est du montage, actuellement mon monteur c'est 250€ plus Minia Maker qui a 40€. Je crois que c'est tout. Ça fait déjà beaucoup déjà. Et après ça dépend selon les tournages, mais il y a des fois où je paye des gens en plus, des comédiens. Mais là on va dire typiquement un tournage où j'ai besoin de personne à part juste je suis solo dans la vidéo où c'est un feat. Bah du coup là on arrive à 790€ les frérots. Donc ça fait quand même beaucoup de thunes. Et justement après dans la vidéo on va voir, vous avez été nombreux à me demander mon salaire, combien je gagnais par rapport à cette vidéo et tout ça. On va tout voir ensemble et vous allez voir qu'au final je suis pas en bénéf beaucoup. Limite des fois ça m'arrive de faire aucun bénéf. Donc vous allez comprendre. C'est bien que je vous en parle maintenant avant de vous donner mon chiffre d'affaires, parce que sinon vous allez vous dire: ouah le mec est riche. Alors que 790€, et c'est pas tout, parce que ça c'est pas compté ce que j'achète pour la vidéo, ce que je dépense. Vous allez voir après. Est-ce que tu vas refaire le concept choisi une porte? Bon, c'est choisi la bonne porte. Au cas où, pour ceux qui l'ont jamais vu, le concept choisi la bonne porte, les frérots, allez le voir d'ailleurs juste ici. En gros, t'as une porte rouge, une porte bleue, et tu dois choisir la bonne porte, parce que parmi les deux, il y en a une qui est horrible et l'autre qui est bien. J'adore ce concept, il est génial. Sauf que malheureusement, ça coûte beaucoup d'argent. C'est compliqué de trouver quelqu'un qui accepte de le faire. J'ai jamais eu de refus pour l'instant, mais j'ai des sans réponse. C'est plus ce qui arrive là actuellement où je propose à un gros youtubeur que je kiffe de fou, qui est déjà venu dans mon studio en plus, pour ouvrir la porte sur TikTok. Malheureusement, j'ai pas de nouvelles, mais j'aurais trop aimé faire ça avec lui. Donc c'est ça en fait le plus compliqué, c'est vraiment de ramener le guest. Vous allez peut-être penser en vous disant: pourquoi tu veux ramener absolument des gros pour faire choisir la bonne porte? Parce que c'est tellement un gros concept que j'ai envie de mettre beaucoup de moyens, faire un truc de fou. C'est horrible ce que je vais dire, mais si je le fais avec quelqu'un qui a à peu près le même nombre d'abonnés que moi, je sais que la vidéo va moins bien marcher et je peux pas mettre autant de budget dans la vidéo, parce que je sais qu'après niveau rentabilité je vais être en perte de fou. D'ailleurs justement je vous en parlerai après, mais dans les vidéos choisir la bonne porte ça m'arrive des fois d'être en perte, même si la vidéo c'est avec un gros guest et tout. Et surtout du coup, pour en revenir un peu à choisir la bonne porte, j'ai envie d'en faire beaucoup moins, parce qu'il y a une période où j'en faisais un peu, même beaucoup, et là j'ai envie d'en faire beaucoup moins parce que j'ai envie de refaire des vidéos simples, parce que je me suis rendu compte les frérots que vous êtes énormément à regarder mes vidéos sans être abonné. Parce que j'ai l'impression qu'au final vous me connaissez pas de fou. Dans le sens que je fais des gros concepts, j'adore, parce que moi c'est ce que je veux faire plus tard sur YouTube, des gros concepts. Mais je me rends compte qu'en faisant ça, bah vous apprenez pas de fou à me connaître. Et moi ce que je veux c'est être proche de vous, parce que aucun intérêt sinon de me dire je vais sortir que des grosses vidéos, et les gens s'en foutent de moi et regardent les vidéos juste pour les concepts. C'est que je veux quand même créer un truc avec vous, et un délire, une équipe, un truc. Et je sais qu'avec les grosses vidéos, bah ça marche pas. Je veux que ma chaîne YouTube, elle soit pas seulement la mienne, je veux qu'elle soit la nôtre un peu. Je veux qu'on avance ensemble, que chaque palier à chaque fois on se dise: putain, on a atteint ce palier là, c'est génial. Allez, encore plus haut, encore plus haut, encore plus haut. Et malheureusement, en faisant que des gros concepts comme choisir la bonne porte ou alors on dort où, qui marche très bien sur ma chaîne, bah j'attire
que un nouveau public. Et du coup des gens qui regardent que ce format là. Et les autres vidéos ils regardent pas. Et moi mon but c'est pas de faire que des vidéos marquantes ou que des vidéos où ok ça fait gagner plein d'argent, c'est cool. Mon but c'est vraiment de ok j'ai envie de faire cette vidéo là, je la fais. Ils vont kiffer quoi qu'il arrive parce que bah c'est moi. Et j'ai pas envie de me renfermer dans ok je suis obligé de faire ce concept là, sinon ma chaîne elle va pas marcher et ça sera la merde pour moi. Donc je me dis c'est maintenant qu'il faut que je fasse ça. Donc vous allez voir prochainement sur la chaîne, il y aura des vidéos beaucoup plus simples. Même si forcément j'ai envie de faire des gros trucs, mais je sais que je dois me limiter. Rien que pour les FAQ, regardez, je voulais faire une vidéo simple, mais j'ai quand même voulu racheter un petit concept où si je réponds pas à la question, je vous paye un truc. Parce que c'est dans ma nature et je veux faire des trucs de fou sur YouTube. Mais je vais devoir m'adapter. Je sais pas combien de temps encore. Je pense que la route va être longue. Mais j'ai envie de faire les choses bien. Les refs par contre, il y avait plus de 220 questions, donc j'ai pas pu tout mettre, j'ai dû tout filtrer. Je vais essayer d'y répondre le plus possible. Donc des fois ça va aller très vite, je vais pas beaucoup détailler parce que les gars sinon je vais... Mon monteur va me tuer en fait. Dans 5 ans, tu te vois où? Elle est compliquée cette question. Dans 5 ans, j'aurai 30 ans. Attention, je suis pas en train de vous dire que 30 ans c'est vieux, mais juste moi personnellement par rapport à mes objectifs, je me dis qu'il me reste plus beaucoup de temps. Parce que je me dis que à 30 ans, bah si ma chaîne elle marche comme maintenant, bah en vrai c'est cool, mais j'attends tellement plus de moi, j'attends tellement plus de cette chaîne YouTube. Je veux le trophée des millions déjà. C'est sûr, c'est pas juste le trophée, c'est pas juste je veux un bout juste pour dire j'ai un million et tout. C'est juste genre la symbolique de ma vie, de c'est mon rêve, c'est mon objectif et je veux trop l'atteindre. J'ai trop peur d'être frustré plus tard de me dire j'ai pas atteint ça et c'est nul de regretter quoi. Alors déjà ce que j'aimerais dans 5 ans c'est vraiment être épanoui de fou sur YouTube parce que je le suis mais je suis encore un peu frustré dans le sens où je peux pas faire toutes les vidéos que je veux parce que je sais qu'elles vont pas marcher. Par exemple cette vidéo typiquement je pense pas qu'elle va dépasser les 30 000 vues. Parce que je sais que sur la chaîne j'ai une communauté de 30 000 personnes sûres qui regardent n'importe quelle vidéo à peu près. Et à plus après bah c'est des gens de l'extérieur. Donc dans 5 ans, je me vois où? J'ai mon propre local, genre j'ai acheté un local de fou avec plein de créateurs autour de moi, des terres comme jamais et surtout être heureux dans ce que je fais et de pas changer. Ça c'est un truc que j'aimerais vraiment pas. Le cadeau de la personne si je voulais pas répondre à ça c'est une nuit avec toi. Mais c'est qui ce numéro? On va appeler. Je te veux. Les gars on va appeler, on est obligé. 0649. Qui me veut? Qui veut une nuit avec moi? Messagerie Orange, bonjour. Ok c'est juste un pote à moi. Je suis déçu, forcément je suis déçu. Combien de fois tu te branles par jour? Qu'est-ce qu'il veut comme cadeau? Au tacos, deux viandes, cordon bleu, thunder, sauce blanche. Le mec me fait sa commande. Sauce blanche. Je comprends pourquoi il me demande cette question. Il aime bien la sauce blanche, le frérot. Je vais l'appeler. Ouais. Ouais, allô? Ça va? Ça va et toi? T'as mangé? C'est qui? Tu t'appelles comment? C'est quoi cette question? Mais juste réponds à ça. Est-ce que tu as mangé ou pas? Oui. Ah merde. Non, parce que là, je devais te livrer un tacos là. Ah, mais c'est pas possible. Ah mince. Du coup j'ai adoré ta question. Tu te sens souviens ou pas? Ouais mais... Wow. Et... Longtemps. Ouais ça fait longtemps, ça fait longtemps. Et du coup tu veux pas que je te commande le petit tacos? Non bah du coup c'est bon de manger. Au pire je te commande un petit dessert. Non t'inquiète. T'es sûr tu veux rien? Bah merci quand même. Bah de rien, salut BG. Au début je me suis dit oh putain le mec il a mis un faux numéro ou quoi, j'appelle je sais pas qui, est-ce qu'il avait une voix de quelqu'un plus âgé? Bah au final je pense c'est un jeune qui a la voix très grave tu vois. En vrai je sais, j'aurais kiffé lui livrer un petit tacos et qu'il filme et tout, genre qu'il le mange, j'aurais adoré. Avec quel youtubeur veux-tu faire un feat de malade mental? Le youtubeur que tu kiffes le plus. Le feat que je kifferais trop faire, j'ai déjà la vidéo, j'ai déjà tout. En vrai, si je dois parler d'un feat que je dois faire là dans 2 mois, je dirais Squeezie. Parce que Squeezie les gars c'est grâce à lui j'ai commencé YouTube, grâce à lui et Thibaut InShape. De base j'étais très sportif et j'ai même eu mon diplôme de coach sportif et tout. Du coup à savoir les gars au cas où ceux qui savent pas. Ça fait 7 ans que je suis sur YouTube et ça fait seulement depuis un peu plus d'un an que ça marche pour moi. Donc c'est une dinguerie. Pensez pas que je suis arrivé du jour au lendemain grâce à TikTok. C'est TikTok qui m'a fait évoluer, mais c'est surtout c'est parce que j'ai pas lâché depuis 7 ans. Mais du coup, je pense que je dirais choisis la bonne porte avec Squeezie. En vrai, ça serait un truc de fou. Je sais pas, ça serait la meilleure personne pour cette vidéo. Du coup, j'hésite ou alors je me dirais un feat vraiment improbable. On est sur un truc de malade mental comme il l'a dit. Je dirais choisis la bonne porte avec MrBeast. Oh. Imaginez la dinguerie de fou. Je trouve un sponsor qui me donne des thunes de fou pour faire la vidéo de cinglé. Mais ça, ce serait le but ultime, je pense. Déjà, faut que j'apprenne à parler anglais. Ensuite, faut que je devienne méga riche. Parce que sans thunes, je pourrais. En vrai, je collabore avec une marque, mais ça veut dire que. Enfin, y a trop de trucs à prendre en compte. Mais on va dire un feat un peu plus léger, mais quand même assez gros. Je dirais choisir la bonne porte avec Joyka. Parce que je sais comment il est, je sais comment la vidéo elle serait dans ma tête. Et ça pourrait faire des trucs de fou. Est-ce que dans le futur, tu aimerais avoir des enfants? J'avais pas d'inspi. Je pense que c'est l'une de mes phobies. C'est horrible ce que je dis. Mais à côté il y a ma meuf, c'est son rêve. Et moi à côté mon rêve c'est YouTube. Mais d'un autre côté oui, construire une vie de famille, bien sûr que si, j'ai envie de le faire, tu vois, c'est normal. Mais ça me fait trop peur. En fait je pense qu'au fond j'en ai envie. Mais d'un côté ça me fait peur parce que vous savez, enfin je vais pas vous apprendre ça alors que je suis pas daron. Mais je pense que d'avoir un enfant c'est aussi se donner, genre donner sa vie à son enfant. Et franchement je suis un peu égoïste. Mais j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de donner ma vie à mon enfant. Je suis en mode j'ai envie de vivre ma vie pour moi, pour les autres aussi, pour ma famille et tout ça, mes proches. Mais tu vois, genre j'ai envie de penser à moi, peut-être c'est parce que je suis encore jeune. Oui j'ai 25 ans et je suis jeune. Le premier dans les commentaires
commentaire qui me dit Anthony tu es vieux, bah je vais me mettre en colère. Mais du coup je pense que oui, mais pas pour l'instant. Je pense que j'ai pas encore la maturité pour ça. Tu as dit que tu comptais faire un nouveau type de contenu pour tes abonnés, te regardes plus pour toi et non pour tes concepts. Mais quel type de vidéo tu comptes faire? C'est comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que j'ai pas envie de rentrer dans le truc de je fais que des vidéos qui marchent pour que ma chaîne marche. C'est je veux faire des vidéos pour me faire kiffer et ce que je veux. Et quand j'appelle des vidéos simples, c'est par exemple voilà des vidéos en studio. Un peu comme les concepts, voilà, typiquement ça va être des concepts comme ça. Et s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires, là ce que je vais vous montrer, si pour vous vous êtes chaud de revoir plusieurs épisodes comme ça sur ma chaîne. Exemple tout court, mais faire exploser un feu d'artifice avec 2000 dominos. J'ai envie de faire une partie 2 et des concepts un peu dans le même délire. Remplir mon studio de sable, c'est con, c'est simple on va dire. Ça me fait pas dépenser beaucoup de thunes. Voilà, c'est ce genre de concept. Mais il y aura aussi des gros formats, comme par exemple Andorou. Ça je vais l'améliorer de plus en plus parce que je kiffe ce format. Et il y aura aussi choisir la bonne porte les gars, ça c'est sûr. J'en profite là pour faire une petite pause et vous demander de vous abonner à la chaîne les gars. On est bientôt 200 000 sur la chaîne. C'est énorme. J'ai eu le trophée des 100 000 pour moi il y a pas longtemps et là on va atterrir sur les 200 000. C'est incroyable. Merci de me suivre et oubliez pas de mettre la petite cloche parce que ça fait plaisir. Sinon vous allez pas avoir la vidéo et c'est dommage. Quels sont les codes de tes comptes? Au choix, Insta, TikTok ou YouTube. Ok, donc là en gros, soit je te donne mon compte Insta, c'est avec ça que je parle avec ma communauté, avec mes proches aussi beaucoup. Soit je te donne mon compte TikTok où ça veut dire que j'ai plus de compte TikTok, je gagne plus d'argent avec TikTok et je peux plus faire des vidéos courtes qui me font kiffer parce que moi TikTok pour moi c'est ça. C'est des vidéos vraiment je fais n'importe quoi, je fais ce que je veux. Ou alors YouTube, mais ça j'ai jamais de la vie. YouTube les gars, bah c'est en gros si j'ai plus YouTube j'ai plus de taf, c'est fini pour moi. Bon qu'est-ce qu'il voulait le frérot? Parce que là sa question c'est bah, c'est impossible. Bureau gamer d'angle. Oui parce qu'à la fin vous avez vu j'ai rajouté sur le questionnaire max 50 euros parce que les gens avaient pété un peu. iPhone 14, Xbox, PS4 les gars. Bon bah bureau d'angle gamer. On va lui acheter ça. Allez Prime je suis gentil, ça va arriver vite. En vrai ça va, pour l'instant on n'a pas eu beaucoup de cadeaux dans la vidéo. En vrai il est propre. Il est noir, il est épuré, il est simple, je le trouve pas mal. Est-ce que je l'appelle pour lui demander il préfère noir ou blanc? Ah ouais vas-y ça va être marrant, genre je lui demande, eh frérot tu préfères blanc ou noir pour le. Vas-y les gars, on va faire ça. Allô? Allô? Ouais. Ouais, dis-moi pour le bureau, tu préfères blanc ou noir? Attends, non, vraiment? Combien de temps tu veux que j'attende? Attends, c'est vraiment toi? Non, attends, bah, attends. Ok, d'accord. Jure la vie, c'est toi. Combien de temps tu veux que j'attende? Bah, non, mais c'est vraiment toi! C'est moi BG, ça va ou quoi? Ça va et toi? Ça va. Eh, ta question, c'est vraiment une question de salaud. Hein. Tu m'as demandé tous mes codes de mes réseaux, c'est ça? Ouais. Tu savais que j'allais pas pouvoir. Ah ouais, bah c'est le but. Mec, du coup, tu préfères blanc ou noir pour le bureau? En vrai, noir. Noir, ok, bah j'allais prendre ça de base. Merci à toi. Salut. Salut Anthony, je fais cette vidéo pour te dire que bah, j'ai bien reçu le colis. Bah vraiment, grand merci. Donc là, je vais essayer de le construire. J'ai bien essayé, je sais pas si je vais réussir. Et je t'enverrai une vidéo si j'ai réussi à le construire. Ouais, Anthony, du coup, bah je te fais cette vidéo pour te montrer un petit peu l'avancement du bureau. Donc bah je te dis encore un grand merci pour le cadeau. Et j'espère que t'as pas dû trop dépenser d'argent parce que sinon, rip ta carte bleue. Combien as-tu gagné ton plus gros mois? Vous savez, je suis transparent avec l'argent à chaque fois pour ceux qui me demandent quoi. Pour moi, je m'en fous, je travaille. Et comme je vous ai dit, je gagne des bonnes sommes, mais derrière, je paye beaucoup. Mais du coup, on va vous dire. Alors, le plus gros mois que j'ai fait sur YouTube, c'est simple, on va aller sur YouTube. Bah écoute, au mois de juin, j'ai fait 14 404,38 €. C'est énorme. Quand j'ai reçu ça, j'étais en mode, c'était mon plus gros salaire, quoi. C'était un truc de fou. Bon, bien évidemment, à ça, les gars, j'ai pas envie de faire le mec qui casse tout, mais parce que j'ai pas envie que les gens qui regardent ça, qui se disent, ok, bah moi aussi, je vais aller sur YouTube, c'est trop bien, tu gagnes plein de thunes. Parce qu'il y a tellement de côtés durs aussi à côté, et tellement de côtés où sur les 14 000 €, je dois 22% à l'État. Et vous allez comprendre, ils viennent d'où ces 14 000 €. Parce qu'il y a une autre question après, c'est combien j'ai gagné avec la vidéo d'Inoxtag. Et c'était à cette période-là. Et donc, vous allez vite comprendre pourquoi j'ai gagné autant. Et c'est pas que les 14 000 € ils sont pour WAM, pour m'amuser, faire ce que je veux. Il y a une autre question après, justement, combien tu as sur ton compte en banque? Bah vous allez voir sur les 14 000 € que j'ai reçus en juin, combien il me reste, et vous allez vite comprendre. Combien tu as gagné sur la vidéo de choisir la bonne porte avec Inoxtag? Parfait. Vous allez comprendre justement pourquoi j'ai fait un mois de juin énorme. Déjà avant de vous dire la vidéo combien m'a rapporté, sur cette vidéo il y avait un partenariat qui était à 10 000 €. Là vous dites mais wesh, le mec s'est fait 10 000 € plus les revenus de la vidéo. La vidéo en tout m'a coûté 7 000 €. Parce que vous l'avez vu, ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo allez la voir, j'ai tout donné dans cette vidéo, ça m'a coûté méga cher. Par exemple dans la vidéo vous le voyez pas forcément, mais à un moment j'ai fait venir une montagne, l'Everest, gonflable. Ça m'a coûté 2 000 €. Parce que le seul mec qui faisait ça, c'était un mec de Marseille, donc il a dû se déplacer et tout, donc ça m'a coûté 2 000 balles. Il y a eu trop de trucs, j'ai payé trop de trucs cette vidéo. Le monteur, c'était autour de 1 000 €. Les cadreurs, bah il y en avait 2. Je sais plus exactement, mais en tout cas, voilà, un truc à 7 000 €. Et sur l'OP que j'ai eu, du coup, la collaboration à 10 000 €, t'enlèves déjà les frais de mon agence. Mon agence était autour des 30%. T'enlèves ensuite à ça en plus les 22% de l'État. Donc déjà, t'enlèves déjà pas mal. Donc ça faisait à peu près du. Si je dis pas de bêtises, ça faisait du 5 700. Donc déjà là c'est déjà moins intéressant, c'est pratiquement 50% au moins. Donc il me restait ça, et moi j'ai dépensé 7 000. Donc ça veut dire j'ai mis 2 000 € de ma poche en plus. Mais du coup avec la vidéo d'Inox j'ai gagné 8 000 €. C'est énorme, c'est incroyable. Mais dites-vous que en tout j'ai gagné 8 000 € plus 10 000 €. Donc ça fait 18 000 €. C'est énorme, j'aurais tellement aimé les avoir pour moi pour pouvoir les mettre dans les vidéos et tout. Mais du coup comme je vous l'ai dit j'ai mis 7 000 € dans la vidéo, voire même plus, j'ai pas hyper bien calculé. Donc ça veut dire que j'ai fait un
bénéf à près de 1000 euros. Ok, j'ai dit complètement de la merde, on va refaire le calcul ensemble. En premier, j'ai eu 10 000 euros avec la collaboration. T'enlèves à ça les frais de l'agence, plus les frais de l'URSSAF, l'État, on arrive sur du 5460 euros. Ensuite, il y a eu les revenus de la vidéo, à peu près 8 000 euros. Encore une fois, t'enlèves les 22% de l'État, on arrive à 6240 euros. T'additionnes la collaboration plus les revenus de la vidéo, ce qui fait 11 700 euros. C'est énorme, mais on n'oublie pas que la vidéo, pour la produire, ça m'a coûté 7 000 euros. Et ce qui fait un bénéf de 4 700 euros. C'est archi bien, mais on est loin des 18 000 euros. Mais ça reste quand même énorme, c'est presque 5 000 euros. Et ça, je vais pouvoir le réutiliser pour des prochaines vidéos. C'est pour ça, n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir des grosses vidéos. Bon, je sais que ça vous fait chier, c'est plein de calculs et tout, mais je préfère aussi vous montrer le côté négatif et pas que vous montrer le côté positif. Et je trouve ça intéressant, donc je voulais vous le partager. Et puis, vous avez été nombreux à me l'avoir demandé. Quel est ton projet final sur YouTube, ton objectif? Mon objectif, ma dernière vidéo, genre, parce que c'est sûr, il y aura une dernière. Au bout d'un moment, je vais me dire, ok, là, je suis trop vieux. J'ai pas envie de me mettre dans un truc, de me forcer à me dire, ok, faut que je reste jeune pour plaire aux jeunes. Et je veux juste, quand je vais le sentir, je vais faire une vidéo où je vais dépenser, genre, je sais pas, genre, v'là la thune pour faire un truc de fou malade. Pas un truc à la MrBeast où je casse tout et tout, mais un truc genre en mode où je fais plaisir aux gens, je me fais kiffer. Un peu comme vous avez vu le format genre 24 heures comme ma dernière vie, et bah je voudrais faire pareil, mais genre sur, je sais pas, sur un truc de fou. Vraiment me faire rêver et de vous faire kiffer de fou, genre une dernière fois, partir en beauté, genre pas partir sur une vidéo. Est-ce que tu peux nous révéler tes 5 prochaines vidéos? Je sais pas encore. Là, je suis un peu dans le truc de je me remets en question, je réfléchis à qu'est-ce que je peux faire et tout. Il y aura une vidéo du style genre je dois trouver le bon truc pour sortir de mon studio. Il y aura forcément un truc de feu d'artifice, il y aura forcément des vidéos, il y aura forcément une vidéo j'ai envie de faire, j'ai fait 24 heures comme ma dernière journée. J'ai envie de faire 7 jours comme ma dernière journée, aller aux États-Unis et tout. Donc ça, c'est sûr que c'est un projet que j'ai envie de faire si j'arrive à trouver une marque parce que sinon, bah, impossible. Vous avez vu maintenant, je vous ai tout expliqué. Du coup, vous savez que même si je gagne plutôt bien, je peux pas non plus faire des grosses vidéos parce que ça me coûte trop cher derrière. Mais du coup, voilà 3. Il y aura des choisis là, il y aura un choisi la bonne porte, il y aura un d'en haut. Donc voilà les 5 prochaines vidéos, je pense. As-tu déjà fit dans le but de simplement faire plus de stats? Je réfléchis, c'est intéressant. Je dirais plus non que oui, mais d'un autre côté, c'est humain de me dire ma chaîne YouTube elle veut pas décoller. Je fais un fit, je suis trop content de faire ça avec lui, mais d'un autre côté, oui, c'est humain de se dire ça va aussi m'aider à ma chaîne. Ça serait hyper pas honnête de vous dire bah non, j'adore la personne, je fais ça juste pour la personne, je m'en fous de ce que ça va rapporter pour moi. C'est logique, c'est humain, surtout que tu peux pas genre au bout de 7 ans comme moi, genre charbonner et te dire genre bah non, mais je m'en fous, je veux juste faire pour la personne et passer un bon moment. Bien sûr que oui, pour moi la priorité c'est de passer un bon moment avec la personne, de kiffer, de vraiment apprendre à connaître la personne, parce que c'est quand même des gens qui m'ont grave inspiré, de me dire aujourd'hui je suis avec eux, j'ai une chance de fou, viens j'apprends à les connaître, je vais en apprendre plus sur eux, ça m'aide aussi pour moi, et bien sûr d'un côté je me dis aussi ça m'aide pour ma chaîne YouTube, c'est normal. Pour qui t'as voté? Où tu habites précisément? Tu prends de la drogue? Tu t'es déjà fait une prostituée? Malheureusement, je peux pas répondre à tout, les gars. Parce que vous savez que parler de politique, je vais pas donner l'adresse de chez moi. Tu prends de la drogue? Bon, écoute, on va aller droit au but. Qu'est-ce que tu veux comme cadeau, toi? Putain, tu me mets dans la merde. Lego, Fauquin, Millennium. Vous avez été grave nombreux à m'avoir demandé des cadeaux super méga chers. Et toute la vidéo, j'ai essayé de répondre aux questions pour pas dépenser trop d'argent, faire une vidéo chill, mais là, je suis tombé sur une question auquel je ne pouvais pas répondre. Il voulait un Lego à 800 euros. Et je me suis dit, cet appel va déterminer si je lui achète ou pas. Sauf que j'ai été un peu déçu. Ouais, BG, c'est Anto, ça va ou quoi? Ça va et toi? Bon, ta question de fou malade, là. En plus, tu m'as posé 10 questions en une question, salaud. Non, plein de trucs, mais... Non mais du coup je t'explique, je vais prendre ton cadeau, mais par contre juste parce que j'avais mis max 50 euros, je sais pas si tu l'as vu depuis la modif. Bah en gros il y avait max 50 parce que justement les gens avaient un peu abusé et c'était trop compliqué. Bah n'importe quoi, t'inquiète pas, même si j'allais dormir à l'enfant. De quoi? Bah je dors demain. Ah tu dormais là? Non, j'allais y aller. Ok, vas-y, ça marche. Vas-y, bah, plus. Salut BG. J'ai eu l'impression de complètement le saouler. Donc je lui ai dit, frérot, pour la vidéo, je voulais pas dépenser beaucoup. Est-ce que t'as un cadeau avec un budget plus bas? Et là, il m'envoie, tiens, j'aimerais bien acheter ça pour ma copine. Un petit collier personnalisé. C'est trop mignon. Salut Anto, honnêtement, merci mec pour le cadeau que tu gères. Je suis désolé pour les questions, elles étaient un peu compliquées. C'est quoi ton adresse? Écoute, je vais me faire défoncer. C'est soit ça, soit je t'offre un iPhone 14. Je vais pas donner l'adresse de chez moi parce que là, c'est mes parents. Mais par contre, je peux donner l'adresse du studio. Et je vais me faire défoncer par tous les gens qui sont ici. Parce qu'à chaque fois, je leur dis, les gars, je veux trop donner l'adresse. Sur, ils peuvent envoyer des trucs, ça peut être drôle. Je peux faire des TikTok et tout. Mais en mode, eux, ils sont en mode, mais gros, t'imagines, il y a des vols et tout. Sachez qu'au cas où, il y a des alarmes ici. Il y a des putains d'alarmes. Je vous le dis, il y a des caméras de partout. Le proprio, c'est un ouf, mais c'est trop bien. C'est pour ça qu'on a pris ce local-là. C'est qu'il est grave sécurisé. Mais. Du coup, je vais devoir donner l'adresse d'ici. Faites pas de dinguerie, s'il vous plaît. S'il vous plaît, faites pas de dinguerie. En fait, je suis à un stade où je suis pas encore méga connu. Donc ça va. C'est mal situé, c'est très loin. Ne venez pas, c'est loin, c'est galère à venir et tout. Mais vous savez quoi? Je vais vous donner des indices. Jusqu'à la fin de la vidéo, ce sera à vous de reconnaître l'adresse de ce que j'ai à vous dire. Ça sera pas aussi facile que vous voulez. Qu'est-ce qui t'a motivé à devenir youtubeur? Il m'a dit un cadeau, un appel avec toi. Bah écoute, frérot, je vais faire un panel avec toi, ça fait grave plaisir. Non, mon frérot.
Ce qui m'a motivé à devenir youtubeur, c'est vraiment que j'adorais créer. Je faisais des petits montages photos quand j'étais petit, même un peu vidéo. J'ai toujours voulu créer et marquer un peu, genre de pas partir sans avoir marqué un truc dans le monde, tu vois. Et j'ai toujours été un peu manuel. Pourquoi on dirait que je suis en train de juste d'être en déprime là? J'en peux plus, je suis fatigué les gars, ça fait combien de temps que je tourne? Ça fait 1h40 que je tourne. Oh là là là. Sur une FAQ, je suis un malade. Combien as-tu sur ton compte bancaire actuellement? Sinon c'était Jordan 4. Et vous allez voir, vous vous souvenez tout à l'heure des 14 000 euros en jouant que j'ai gagné? Sur mon compte actuellement j'ai ça. 180 euros. Bon, je vous mens parce que j'ai des espaces. Mais attention, vous allez voir. Au moins c'est cool de vous montrer. Ça, je vous montre vraiment tout. Tenez, je vais vous faire un screen, c'est plus intéressant. 3, 2, 1. 12 000 euros. Là, vous vous dites, oh, bah, en fait, t'as bien gardé sur les 14 000 euros. Sauf que les gars, sur le compte courant, j'ai 189 euros, du coup, vous l'avez vu. L'URSSAF, du coup. L'URSSAF, c'est pour l'État, les frérots. De côté, du coup, j'ai 2 800 et quelques. Les économies, j'ai 6 000 euros. Ça, c'est cool. Je suis trop content, ça fait longtemps que j'ai pas eu des économies. Et ça, du coup, ça va me servir pour les vidéos YouTube, pour tout ça. Ouais, YouTube Prod, de base, c'est ici que je mets l'argent pour les vidéos YouTube. Mais là, je me suis dit, Tony, les économies, on s'en fout. Pense à investir sur YouTube. Du coup, c'est pour moi, c'est les mêmes. La caution, pourquoi il y a 3 400 euros? C'est la caution pour ce local-là, les gars. En tout, on doit 8 000 euros. Et il manque encore des personnes qui doivent la caution. Loyer, du coup, bah, j'ai mis 54 euros pour ce mois-ci pour le loyer, il faut que je rajoute mon ref. C'est ici, moi, en tout, on paye 2000 euros le studio, mais par rapport à tout ce qu'on a calculé par rapport au mètre carré, moi, je dois 900 euros par mois, vu que j'ai deux studios. En gros, 6000 euros sur les 14 000 euros, c'est hyper bien, mais ça part très vite. Là, en vrai, c'est parce que c'était les vacances, j'ai fait une petite pause sur les gros formats, mais là, je pense d'ici décembre, il n'y a plus rien, quoi. Et ça va me servir que pour YouTube, mais moi, c'est ce que je kiffe, j'adore, je prends du plaisir à investir dans mes vidéos, ça me fait plaisir. Dis-nous quel est le montant exact de tes 10 derniers partenariats. En vrai, les gars, je sais même pas si j'en ai fait 10 dans ma vie, mais je pense que oui, mais je vais vous donner ceux que je me souviens le plus, les derniers. Le dernier que j'ai fait là, c'était pour 1300 euros TikTok. Et celui d'avant, c'était 2000 euros pour TikTok. Celui d'avant pour YouTube, c'était 10 000. Vous savez de quel je parle. Un peu avant, c'était 2000. Un autre un peu avant, c'était 3000. Un autre 1008. Et après, bah, je me souviens plus trop parce que j'en ai pas fait beaucoup des partenariats. Je sais même pas si j'en ai fait 10. Est-ce que tu as déjà voulu arrêter les réseaux? Car oui, c'est quelque chose qu'on ne parle pas assez, qui pour moi est important pour les créateurs, que ce n'est pas toujours facile. De fou. C'est vraiment, des fois, c'est dur. Après, encore une fois, les gens, d'un point de vue extérieur, pense que c'est, on s'amuse tout le temps, on gagne plein d'argent et tout, c'est cool. Mais il y a plein de moments où c'est très dur. Genre, moi je pense qu'une fois par mois, je suis en mode pétage de plomb, j'ai envie de tout arrêter. Et je suis pas bien et tout, je me remets trop en question. Et ça me fait du bien d'un autre côté parce qu'après je ressors plus grand, tu vois. Mais il y a des fois c'est super dur. Genre là, je suis parti en vacances, ça m'a fait du bien, mais avant de partir en Italie là, j'étais grave mal, j'étais en mode, je voyais des mauvais commentaires, j'étais en mode putain, mais j'avoue, il y a que mes vidéos Andoro qui marchent. Il y a un mec qui dit, oh c'est triste, il y a que tes vidéos Andoro qui marchent. Allez, je suis en train de déprimer pour ça et le mec qui met ça en commentaire, donc ça rentre dans un truc encore plus. Donc ouais, franchement c'est dur, mais jamais de la vie je pourrais me plaindre de ce métier. Il y a plus de côté positif que négatif. Faut vraiment être passionné parce que tu travailles tout le temps en fait. Même en vacances, je réfléchissais à une vidéo, je suis parti 5 jours et 5 jours jusqu'à au dernier jour, je me suis dit ok, peut-être que je peux faire ça comme vidéo, peut-être que je peux faire ça. Mais je kiffe, sinon je serais pas comme ça. Tu préfères Raph ou CA? Ah voilà, c'est plus sur la question genre tu vires qui. Là les gars, c'est une question compliquée. Tu voulais quoi comme cadeau moi? Le maillot de foot PSG floqué Anthony Priolo ou comme tu veux. Trop mignon. Mais gros, on va faire ça direct, c'est trop stylé. Oh, je sais lequel que je vais lui prendre. Bon bah, je vais juste mettre Anthony pour pas mettre plus. Allô? Ouais, allô, ça va, tu vas bien? Oh my god! Ça va ou quoi, Mehdi? Je suis choqué. Ah, ça va super. Ça va, eh, hey, tu m'as posé une colle avec ta question là. Ah, mais moi, en fait, si j'ai regardé ta story, je me suis dit, j'ai pas vu la question. Et du coup, bah, j'ai cru que c'était mort, mais choqué là. Bah, mec, du coup, je vais te prendre le petit t-shirt. Ok, ça marche, bah, merci beaucoup. T'inquiète, par contre, je peux juste marquer Anthony, puisque Priolo, il y a pas assez de place. Je peux mettre Priolo comme tu veux. Bah, toi, tu préfères quoi? Dis-moi ce que tu préfères, c'est pour toi, donc. Ouais, mon cœur, il bat. Non, je te jure, je suis trop un fan. Ah bah merci frérot, ça fait trop plaisir. Bah au moins, c'est cool que tu sois. Je commente toutes tes vidéos YouTube, je like tout. Ah bah merci frérot. Bah c'est cool au moins que ça tombe sur toi alors. Merci à toi. T'inquiète, salut. Bonne soirée. Allez, salut, merci. Là je suis content. Là, c'est un vrai abonné qui a gagné. Là, je suis content, ça me fait plaisir. Alors que tout à l'heure, l'autre, oh, tu me réveilles. En vrai, il m'a envoyé un message, il m'a dit j'aime bien ce que tu fais et tout. Merci BG si tu passes dans cette vidéo. Mais juste, j'avoue, sur le coup, j'étais un peu en mode, bah attends, frérot, je te fais un cadeau et tu me reproches que je t'appelle alors que tu vas dormir. En fait, il m'a dit, ouais, demain je taffe. Si moi je t'appelle pas, putain. Bon, bah voilà, ça régale. Le petit frérot, il va avoir le maillot, ça fait plaisir. Malheureusement, le frérot, il a toujours pas reçu son maillot personnalisé. Et je suis le premier déçu. Si toi aussi tu veux voir le résultat, je le mettrai en story sur Instagram. Donc venez sur Insta. Dernière question, celle-ci je l'ai réservée pour la fin. Combien d'argent as-tu gagné avec ta chaîne YouTube depuis le début? Même moi je sais même pas, ça m'intrigue de fou. Parce que je crois que je vais être dégoûté, je vais me dire attends quoi, depuis le début j'ai gagné ça et il me reste ça sur mon compte. La vie de ma mère que j'aurais jamais pensé autant. 47 000 balles. Elle est partie où l'argent? En gros il me reste 6 000 euros, donc à peu près genre 40 000 euros, c'est où? Je suis choqué du film, putain de merde.
Ah ouais, l'argent ça vient, ça va hein. Je suis méga choqué, je pensais pas que c'était autant. Voilà, pour vous montrer que c'est énorme, mais derrière il me reste 6000. Bon les refs, c'était trop cool de faire cette vidéo simple où je me prenais pas la tête en me disant ouais mais là peut-être qu'ils se font chier ou quoi. Ça m'a fait du bien. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas dans les commentaires à me poser d'autres questions si vous voulez, j'y répondrai avec plaisir. Et surtout les gars, oubliez pas, go les 200k sur YouTube, abonnez-vous, mettez la cloche. Et comme d'hab, le petit pouce bleu pour montrer que vous avez kiffé la vidéo. Bisous les refs, merci d'avoir suivi la vidéo. Prenez soin de vous les refs. Bisous.